Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on a un petit deck sympathique. Ah, c'est parti, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Bah attendez, je vous ai prévenu dans le deck, dans les trois attaques là qu'on a fait, je vous ai prévenu à la fin. Vous avez pas regardé jusqu'à la fin, vous avez même carrément pas regardé la vidéo, mais vous êtes fous, vous! Ou alors sinon, vous avez pas le temps. Bon, non mais juste. Je dis n'importe quoi, laissez tomber. Juste comme ça, j'ai débloqué dans un petit coffre à couronne que j'ai ouvert dans les attaques d'avant, là, les trois attaques que j'avais fait avant, là, de tout à l'heure, là, 4h30, là, il y a une vidéo qui est sortie. Voilà, donc du coup, j'ai débloqué ce petit machin, truc miroir, là, et franchement, je me suis fait un petit deck avec. Je l'ai pas encore testé, parce que surprise, surprise, tu vois, attends, on est des fous, nous, surprise, tu vois, on va voir ça ensemble. Donc du coup, un petit sort de gel qui coûte un peu cher, un petit cochon qui coûte un peu cher aussi, les petits squelettes qui, justement, rabaissent un peu le prix global de nos groupes, le petit gobelin qui baisse aussi un peu le prix, le petit gobelin lance qui baisse aussi un peu le prix, le miroir qui est indispensable, parce que c'est un peu ce qu'on veut tester, et la Valkyrie qui défend à mort. Et aussi les flèches qui défendent aussi à mort, voilà, contre les groupes de squelettes ou des trucs comme ça. Donc du coup, je vous dis à tout de suite pour tester ce deck, en espérant qu'on gagne. Si on gagne pas, bah c'est pas grave. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, monsieur nous dit bonne chance. Mais t'es fou toi, tu sais pas ce qu'on a comme deck, t'es fou toi, t'es fou. Bonne chance de quoi, mon pété. Attends les gars, oh, attends. Vous savez ce qu'on a? Ah bah si, vous le savez. Je sais même plus ce que c'est, voilà. On a un miroir, tu vois. Forcément, qui dit miroir, enfin bon, voilà, tu m'as compris. Duplication, tout ça, voilà. Bon, on est des fous, nous. Allez, c'est parti. Hop, on envoie le petit sort de gel. Allez, hop. Non, c'était à queue dalle. À queue dalle, gros. Oh, t'imagines, ça aurait pu faire deux fois plus de dégâts. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Allez, c'est parti. Allez. On est des fous ou pas? Ça se passe comment? Bah vas-y, pleure. Ah mais d'accord, non, je pensais qu'il pleurait parce qu'il avait un max de troupes sur moi, tout ça, et que j'avais rien pour le défoncer en aérien, tout ça. Mais il connaît pas mon deck, donc forcément, bah. En tout cas, ouais, il est en train de nous rattraper un petit peu quand même, là. Là, j'ai envie de dire, il nous rattrape un petit peu quand même. Bon, c'est pas très grave, vous savez quoi, on va se laisser faire, parce que nous, on est généreux, nous, tu vois. Nous, on se laisse faire, voilà, il nous détruit une tour. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, c'est gratuit, tu vois, c'est gratuit, donc il en profite, bien entendu. Bon, en attendant, là, on se fait même un peu casser la troisième tour. Mais c'est pas très grave, parce que nous, eh ben on est généreux, comme je l'ai dit. Bah ouais, toujours généreux, mon petit. Bon, bah lui, il envoie toujours la même chose, hein, d'ailleurs. Voilà, donc hop, on va envoyer juste ça là. Oui, ça gèle les deux. Oh, mais je suis un professionnel de Clash Royale, les gars. À un millimètre près de chaque côté. Bah ouais, mais je suis comme ça, moi. Hein, tu me connais pas, mon petit. Ça, c'est bon, ça. Bon, il y en a, ils diront, mais attends, je croyais que t'étais loyal. Ce deck, c'est pas du tout loyal. Bon, c'est vrai que c'est pas non plus un deck, mais c'est pas comme si j'ai envoyé une boule de feu, quoi. Une boule de feu, tu peux pas le contrer, et ça, tu peux le contrer, à la limite, tu vois. Enfin, entre guillemets, parce qu'avec le sort de gel, j'avoue que, bon. Mais bon, voilà, bon, oh là là, faut pas chier. Non, mais voilà, après, c'est pas un deck que j'ai utilisé tout le temps, quoi. C'est juste pour tester le deck, enfin, pour tester le deck. Pour tester un peu le... ce qu'on a eu, quoi, le je sais même plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle le miroir, voilà, pour tester le miroir, pour voir ce que ça donne. Hop, on va envoyer ça. Voilà, hop là, voilà, maximum de dégâts. On va envoyer ça, on va envoyer ça, on va envoyer ça, pourquoi pas. Les petits squelettes, des fois, s'ils résistent, les petits squelettes, ils font un max de dégâts, donc ça fait toujours plaisir. Hop, on envoie le petit sort de gel, boum, hop là, gros, bim. Mais t'avais oublié que j'avais le sort de gel, ou ça se passe comment? Ah bah oui, bah là, t'as des raisons de pleurer, bah oui, carrément. Ah là là, dommage. Oh, imaginez, hop là, t'envoies encore un sort de gel qui sert à rien. Non mais imagine, le mec, c'est complètement con, le mec. Bon, alors, voilà, bah. Bon, bah, je suis vraiment... Bon, attends, c'est quoi, on va jouer à la loyale. Voilà, on va pas envoyer ce que je pense. Bon, par contre, je risque de perdre en faisant ça, mais bon, ça, voilà, c'est comme ça. Au moins, je joue loyal. Au moins, voilà. Au moins, on pourrait pas dire que je serais pas loyal. Ah, bah voilà, tu vois, il avait une chance de gagner. Il avait une chance de gagner. J'ai pas envoyé mon chevaucheur au cochon, histoire de vous prouver que je suis un minimum loyal et qu'il n'y a pas de souci. Je peux très bien gagner sans envoyer le chevaucheur de cochon qui est assez cheaté quand il reste pas beaucoup de points de vie de l'autre côté. Bon, voilà. Après, je dis ça comme ça, voilà. Bon. Donc, du coup. C'était une petite attaque avec le petit... comment ça s'appelle déjà? C'est un miroir, voilà. Petit miroir. J'arrive pas à me le mettre dans la tête, ce miroir, je sais pas pourquoi. Donc le miroir, qui est plutôt sympathique, surtout avec les chevaucheurs de cochon. Ah, ça c'est sûr. Voilà, donc je vais serrer. Ça risque d'être un peu chaud parce que ça coûte très très cher. Mais je vais serrer avec les molosses de lave.
Ouais, mais je pense que ça risque d'être dur de jouer avec, mais on pourra tester quand même un jour, ouais, pourquoi pas. Peut-être dans une attaque du jour, peut-être, je testerai. Voilà, donc du coup, en attendant, je voulais sur ce, voilà, je vais pas non plus vous faire durer 10 ans la vidéo, parce que bon, c'est un peu le principe de la vidéo, que ça dure pas longtemps, justement, pour ceux qui ont pas le temps. Voilà, donc du coup... Oh putain, désolé. Je vous dis à une prochaine vidéo, je vous dis ciao, et puis n'oubliez pas, restez cool!